Bonsoir du Sud Sénégalais. Aujourd'hui, je suis de retour pour un nouveau. Je vais faire comme les loteries là. Fashion Friday. Donc, du coup, ça fait trop longtemps que j'ai pas filmé de Fashion Friday. C'est parce qu'en fait, là, franchement, je suis à un moment de ma vie, je suis en train d'apprendre comment manager le temps. Parce qu'en fait, le fait d'avoir un boulot qui prend énormément beaucoup de temps, d'être mariée aussi, c'est une responsabilité. Et aussi de faire des vidéos. Donc là, je suis en train d'apprendre comment manager mon temps pour tout faire. Donc je pense que là, j'apprends chaque jour comment plus manager mon temps de mon mieux, du mieux, du... Vous me comprenez quoi? Donc du coup, les Fashion Friday, je les ferai chaque 2 semaines. Donc pas chaque semaine parce que franchement, chaque semaine, pour les raisons que je viens juste d'écrire, ça va être trop difficile. Donc Fashion Friday, chaque 2 semaines, chaque 2 vendredi quoi. Et comme d'habitude, aujourd'hui, on va parler des nouvelles choses que j'ai sur mon closet. La personne qui m'a vraiment... la personne qui m'a vraiment ébloui. On m'avait donné un autre mot, mais franchement, j'ai oublié. La personne qui m'a ébloui et aussi ma marque préférée de ce moment. So, let's go. I'm so hyped for this. Ça fait trop longtemps, wesh. Donc là, je porte une combinaison de chez Belia. Belia, c'est une marque sénégalaise aussi qui fait des jolis trucs en wax. Donc, cette combinaison, je l'avais achetée. Peut-être ça fait peut-être une année ou quelque chose comme ça. J'aime trop, c'est trop confortable en fait. Attends, je vais me lever pour vous montrer en fait. La combinaison, j'aime trop, c'est en wax et en, je sais pas, c'est tissu, mais c'est franchement très confortable. Combinaison, qu'est-ce que c'est? Combinaison, vous m'avez trop manqué, yo. Oh, sérieux, hein? But anyway, on va partir au Fashion Friday. Et donc là, que pensez-vous de ma nouvelle perruque? Donc d'habitude, cette perruque, elle est très longue, hein? D'habitude, je porte pas des cheveux aussi longs, mais ça, je l'ai trouvé à la maison. Je l'ai pris, je l'ai sacré parce qu'elle ne porte jamais des perruques, elle est toujours en laitou ou porte ses cheveux naturels. Donc moi je me suis dit pourquoi pas essayer le Hampton, je ne sais jamais, pour être un peu spicy quoi, un peu extra. Est-ce que extra là? Je me sens trop hâte avec ces perruques là, franchement. Parce que de faux goudou, curlé, je me sens comme Beyoncé. Non, même pas me régler. Anyway, donc du coup, on passe à la Fashion Friday. Donc, comme d'habitude, on passe à l'addition dans mon closet, sur mon closet. Vous me comprenez, ouais. Donc, ma nouvelle addition dans mon closet, c'est une taille basse. C'est ma taille basse, B. C'est une taille basse en wax. Les couleurs, j'adore. En fait, la taille basse, c'est ma mère qui me l'a offert. Bon, il m'attaquait. Parce qu'en fait, moi, avant de me marier, je ne vais pas dire Olof. Donc, depuis que je me suis mariée, là, elle a commencé à me dire plus de dire Olof parce que ça fait du bien parfois. C'est-à-dire que ce watching, ce sont des bases, tech agne, tech réel ou je ne sais pas quoi. Non, ça fait du bien. Donc, du coup, la première fois que je l'ai porté, parce que mon mari me voyait toujours avec des. Il est tout bas, quoi. La première fois que je l'ai porté, il était choqué. Il m'a dit, bébé, c'est joli. Donc, du coup, là, je porte des tailles basses. Donc, c'est ça. Donc, du coup, j'adore la couleur. J'adore les couleurs. Et aussi, c'est très joli parce que c'est un peplum. C'est genre moderne et joli. Avec un sœur, def pan, def femme africain. Et là, on passe à la personne qui m'a vraiment choc, qui m'a vraiment ébloui sur mon timeline. Et c'est Kani. Je pense que je prononce son nom bien. Donc, en fait, je la follow sur Instagram depuis. On se follow depuis même que j'ai commencé. J'ai commencé Suite Sénégal, je pense. Donc, ça fait longtemps qu'on se follow. J'aime trop la manière dont elle s'habille. Et c'est... Je vais trouver une photo là. J'adore comment elle s'habille, cette fille. Anyway, j'essaie de montrer la photo que j'aime trop. Mais bon, là, je vais montrer une photo parce que mon môme, franchement, elle est trop top. En fait, cette photo, elle a porté ça au Tabaski de cette année-là. Et franchement, quand je l'ai vue, elle a porté mes couleurs préférées. Le blanc, c'est pas ma couleur préférée, mais
Kim Bazin, j'aime bien blanc et or. Donc, elle a porté ça d'une manière très stylée, très moderne, très, très je sais pas quoi. Donc, Kani, franchement, je t'adore trop. Et c'est aussi ce qui m'a trop... moi, c'est quand elle était à Dakar, là, il n'y a pas trop longtemps, elle slayait chaque jour quand même. Franchement, elle a des statement pieces. Attendez que je vais vous montrer. Holy, qui met de Dakar. Har taxi, soldat le mieux jaune, culotte en boumoir, avec le haut, oh oh, d'Arafaïko. Donc, du coup, je la follow depuis longtemps, comme je vous ai dit, elle s'habille super bien. En fait, elle s'habille super, super classe, je trouve, super, pas super classe et super, super simple, mais avec des statement pieces. Elle a toujours des beaux jours, des jolis, statement pieces, quoi. C'est des choses qui pop sans cesse. Donc, franchement, j'adore comment elle s'habille. Et je pense que je sais même pas où elle vit parce qu'elle elle tourne partout. Parfois elle est en Allemagne, je pense, parfois en Italie, parfois en France. Donc je sais pas, mais c'est une Sénégalaise que j'aime trop son timeline. Elle prend des belles photos de où elle est. Franchement, je t'aime trop. J'espère que je prononce ton nom vrai, hein, Kani. Kani. Mais je vais mettre son Instagram en bas. Et il y a une photo là, quand je l'ai vue, ça fait tellement longtemps que cette photo, je kiffe trop. Photo B. Regarde, Lilek. Parce que moi j'aime porter tout noir, donc quand elle a porté ça, on l'a dali. Et regarde, les chaussures et tout ça, tout noir avec un peu de pop-up color, tu vois la photo dans les rues. J'aime trop cette fille, franchement rien à dire, j'aime bien la manière dont elle s'habille. Là c'est bon pour Kani, Kani je t'adore. Eh ouais Kani, mais bon, donc là on passe à la marque préférée de ce moment. Et ma marque préférée de ce moment c'est Loza Malayambo. En fait c'est même pas ma marque préférée de ce moment, c'est une de mes marques aussi préférées sénégalaises, pas sénégalaises, ivoiriennes. Donc du coup Loza, peut-être ça fait une des années que je la follow. Et depuis que je l'ai trouvée, j'ai toujours adoré ce qu'elle fait. Parce qu'elle, elle mixe son style, c'est en fait moderne plus la culture africaine qu'elle entremixe, la culture traditionnelle africaine. C'est franchement très beau. Ce qui m'a vraiment wow chez elle. Elle est une artiste en fait. C'est pas juste une designer, elle est une artiste chez elle. D'ailleurs, elle est une artiste. Elle est une artiste. Donc du coup, ce que j'ai trop aimé, ce qui m'a, c'était c'est Ellen Edith. En fait, elle prenait des selfies d'une manière très, très artistique. Attends, je vais vous montrer. Regardez ça. Quick selfie, direct selfie. Il faut que je vous montre. Regardez ça. Elle prenait des selfies d'une manière très, très jolie, très artistique. Direct selfie. Qui artiste là. Je vais vous montrer quelques modèles que j'ai trop kiffé depuis que je la connais. Franchement, rien à dire. Comme vous voyez, et tu vois la culture traditionnelle africaine, quoi, de la Côte d'Ivoire et tout ça. Donc, je la kiffe trop. Et c'est ton signe, Fanny Imom. Dans mon Instagram, ses chaussures, moi. Ses chaussures. Comme je vous dis, comme d'habitude, elle mixe moderne et trucs africains. Comme vous voyez, il y a les petits trucs de masque là, ici. Oh. Et elle s'armonde dans mon coffin. Parce que comme je vous dis, elle est une artiste. Elle s'habille super, super cool, quoi. Avec ses cheveux qu'elle teinte. En fait, Loza, je t'adore, je t'adore, je t'adore tout ce que tu fais. Je t'adore tout ce que you stand for. And I love it, girl. I love it, I love it. Donc du coup, c'était tout pour Fashion Friday. Donc comme je vous ai dit, deux fois par mois. Et aussi, comme d'habitude, si vous avez des suggestions, voyez me les dire, des propositions, I'm here for it. Et tout, je suis là. Donc, c'est tout en fait. J'espère que vous avez adoré Fashion Friday. Et c'est tout. Donc, ciao, ciao. À la prochaine.